preuve en est. Je reviens d'une semaine d'un petit tour en France. La mobilisation est là, les ronds-points sont remplis de gens motivés, des gens qui mènent des actions, les manifestations un peu partout en province. Non, le mouvement ne s'essouffle pas, d'accord ? C'est ce qu'essaye de faire croire le gouvernement. Quand on nous dit la semaine dernière qu'on est 22 000, ça veut dire quoi ? 3/4 de gilets jaunes par ville en France ? Oh. Je te l'ai déjà dit à cette caméra, hein, ils ont un grave problème de mathématiques. Mais tout ça, c'est pour décrédibiliser, d'accord ? Et on est en pure campagne électorale, où t'as Macron qui se promène à Biarritz, comme ça, il fait la campagne à la place de sa tête de liste, qui est une incapable apparemment, ou tout le monde en manque de compétences. Enfin, tout ça est truqué, tout ça est biaisé. Allez voter, pas d'abstention, parce que ça rime avec Macron, que le vote blanc fera le jeu de Macron. Il faut qu'il se casse les dents, d'une façon ou d'une autre, il se casse les dents. Après, chacun votera en son âme et conscience. Ça, on me l'a appris à l'école en instruction civique. Chacun vote en son âme et conscience. Aujourd'hui, ça nous change la vie, mais ça nous met à défaut l'Europe. L'Europe ne vient pas en aide à nous, d'accord ? Donc ça ne changera rien. Et de toute façon, tout ce que proposent les listes aujourd'hui, c'est pas applicable en Europe. Ils ne pourront pas le mettre en place. Donc tout ça, c'est du mensonge. Tout ce que peut être proposé par les listes. Mais quel anniversaire ! On fait quoi là ? Il y a quelque chose à fêter aujourd'hui ? On n'a rien gagné. On a gagné des mutilés, on a gagné des gens aujourd'hui qui sont dans la misère, des gens qui marchent dans la rue, des gens qui ne sont pas écoutés. Alors, on n'a rien à fêter honnêtement. D'accord ? Donc la mobilisation continue. S'il faut, ça durera encore 6 mois, et encore 6 mois, et encore 6 mois. Parce qu'on est parti sur un marathon, parce qu'on ne veut pas être entendu. Si on écoute ce qu'il nous a dit hier Macron, comme d'habitude, je vous ai entendu, mais j'en ai rien à foutre. Donc pendant les 6 mois, bah, on va continuer encore 6 mois. Il garde son cap, on gardera le nôtre, je te l'ai déjà dit.